Chantal Ninacuo, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiatrice et diplomate indépendante. Tout à fait. Vous publiez aux éditions L'Harmattan, Diplomates indépendants, émergence d'un statut sous-titré La dynamique des diplomaties non gouvernementales à l'orée du XXIe siècle. Pouvez-vous, s'il vous plaît, présenter votre ouvrage? Oui, en effet, je suis fort aise d'avoir pu faire paraître cet ouvrage dont le sujet me tenait très à cœur. Parce qu'en général, tous les jours, il est question de relations internationales et de diplomatie. Mais en fait, c'est surtout de la diplomatie étatique qu'il est question. Alors qu'en réalité, toutes les diplomaties non gouvernementales et diplomaties alternatives sont plutôt passées sous silence. Alors que ce sont elles qui constituent véritablement la cheville ouvrière de la diplomatie au sens large du mot, du concept. La diplomatie donc étant pour moi, tout ce qui est influence pour faciliter et impacter le monde et dans bien des domaines. Alors, vous introduisez des notions dans votre livre pour la première fois, telles que micro- et nanodiplomatie. Qu'entendez-vous par là exactement? Voilà, donc comme je le disais, donc les diplomaties... La diplomatie étatique couvre des domaines qui concernent plutôt les États et tout ce qui est donc diplomatie bilatérale, diplomatie multilatérale, etc. Et donc on connaît les diplomaties non gouvernementales grâce aux ONG, à la société civile qui s'est introduite dans l'espace international. Ça commence plutôt à être bien recherché et bien documenté. Et donc la nanodiplomatie et la microdiplomatie, c'est en fait une forme de diplomatie qui est plus adaptée à servir la société civile, c'est-à-dire à pouvoir aller vraiment répondre aux besoins qui sont énormes, hein, les besoins en diplomatie sont énormes, et qui couvrent donc la société civile, et surtout elles sont plus idoines. Pour les sociétés, les communautés, elles vont vraiment au fond des choses, et ce que ne fait pas la diplomatie étatique qui est absolument nécessaire, mais elle ne peut pas aller dans tous les domaines et dans tous les recoins. Donc en fait la nanodiplomatie, c'est un peu comme la finance, comme la microfinance est aux finances, les microcrédits sont aux finances, donc la nanodiplomatie recouvre donc ce genre, à ce niveau-là. Mon ouvrage, en fait, survole la diplomatie, elle rend hommage à la diplomatie en général et aux diplomates indépendants en particulier qui font le gros ouvrage de la diplomatie.